Rien de mieux que du simple, du basique, bien maîtrisé. Et ça part direct, la draft, même en avance. On y va. Attendez 2 secondes. Oh, vas-y. Du kill. Tristana, Xayah, Poppy, Deban, Leblanc, Maokai pour Géo. De toute façon, Maokai, je l'ai dit, on le verra Ouais, pas du BO, je pense. À part si nous, on le laisse open. Mais même en blue, il le banne. Donc, Maokai, il n'y aura pas de Maokai. Hein. Et Nico Deban cette fois. Azir open, Rell open, ils veulent trade. ok. Rel, non, Ils veulent peut-être. trade Azir Rell, ouais. C'est Rell, je pense. Hein. Rel, c'est vraiment Rell, c'est fort, hein. sûr. Allez. Oh, on a Azir aussi. Attends, t'as Après, elle est le... peut-être jungle cette Talia, mais bon. Ah, c'est peut-être jungle. Azir Talia, je sais pas si tu piques Ah, mais ça. bon, il va pas prendre Azir Thalia, c'est bizarre, je Non, je pense. pense Ouais. pas, je pense pas. Après, ils l'ont déjà joué plusieurs fois en vrai, mais ils vont pas montrer un 2 quoi. Non, mais là, déjà, la gueule de la draft, maintenant qu'on a Rell, j'aime bien déjà. Ouais. Ouais. Ça démarre Je te bien. jure que c'est tellement bien. Rell, c'est trop trop fort. C'est Joanie. Ok, Sedge. Ok, Thalia mid blind pick. Là, c'est un Azir tout droit. Azir Trundle, s'il vous plaît! Non, non, Azir. Azir et AD. Genre, Azir, Xayah. Oh! C'est vrai qu'ils l'ont ban le Ryze. Hein. Ah, j'aime pas Ryze. Moi j'aime bien en 4, Après, c'est Sakken. Sakken EU c'est Master. sac. Sakken EU Master Ryze. Ryze Renekton, eh oui. Ok. Ce combo, on Alors le là, ça va jouer connaît. agressif. Ce combo, on le connaît, les gars. Une Ok, ça phrase va jouer sur LoL, sur agressif. l'AK-Corp, dès que tout va mal, tu lock Ryze Renekton. Mais il y a Ornn en Ok, face. ok. En vrai, c'est pas si mal, en vrai. Surtout, en fait, surtout qu'ils ont pick Ornn. Les Ryze, c'est bien dans Ornn, c'est bien en side. C'est des Trundle, c'est picks qui bien la vont tout Trundle, mon pour. frère. Ah, c'est juste pas de regret et bonne chance. Hein. Trundle, c'est bien, mon frère, non? Ouais, Trundle, c'est pas mal là. Hein. Après, ça full ban les AD là. Trundle, c'est extraordinaire, frère. Ils vont ban Zeri ou ils vont la laisser? Non, ils vont ban Braum. Trundle, magnifique, frère, il est là. Il est open. Il est open ce Trundle! Allez. Saken sur Ryze, les amis! Le Schtroumpf! Je sais que vous avez des doutes sur Renekton, mais Kabo il a prouvé aujourd'hui que son Renekton. Non mais ça a du sens de piquer Renekton en plus Ouais. c'est ta Ryze, wesh. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Pas de Nautilus. Bah de toute façon, dans tous les cas, on va ban Alistar, ouais, parce que ça counter Rell. Enfin Ouais, counter. c'est bien. C'est bien dans Rell. Et donc là, il n'y a pas Il reste quoi d'Alistar. là? Ok, Aphelios il reste. Il y a Kai'Sa aussi. Kai'Sa, ouais. Kai'Sa, Il y a Aphelios, il y a Aphelios. Kai'Sa, il y a Après Jésus, Ezreal. je crois que c'est un joueur de Caitlyn aussi. Je sais pas s'ils ont sorti un truc bizarre, mais bon. T'es en demi-finale du Master. S'ils l'ont pas prac. Non, Kai'Sa, ok. Kai'Sa, ouais. Il y a Zeri H, est ils vont toujours là, taper hein, des Zeri. pieds, non Hein. H? Ah, je veux pas que ça pique Zeri. H, ça pue des pieds, non? Encore moi, quand un champ est en 0-2, Ouais, tu veux je pas le pense pas repick. qu'il faut Bah, c'est la comme les pique. sides et tout. Quand tu perds dans un Ouais, truc, tu c'est changes, ça. quoi. Là, je veux Aphelios. Après, il est en 1-0 contre Kai'Sa. Ouais. Si tu veux jouer les stats. Un Aphelios ou un truc. Moi, je préfère Aphelios là, c'est. Aphelios, je suis trop heureux dans ma vie, frère. En vrai, j'aime Ouais. bien Aphelios là. Le Hein. corps. En plus, coûte deux gros tanks, c'est le Aphelios corps Trundle, ici. Aphelios Trundle, s'il vous plaît. Nilah, Senna. Non? Oh mon Dieu. Ouais, ok. On est Ça en train de me va! coudre. Ça me Samba, va! Samba, Samba. Ça me va! Botlane secrète, Renekton Ryze. En vrai, j'aime bien. Au Ça me moins, va! tout le monde a piqué quelque chose, au moins qu'ils sont vraiment bien dessus, quoi. Ouais, c'est Là, ils veulent ça. tous en découdre dans la team. Hein. Mais par contre, no joke, Nilah contre la compo en face, elle peut faire un massacre. Hein. Ah, en vrai, dans Thalia, je suis pas convaincu, Après, il y a mais à Talia, part Thalia. c'est vrai qu'il y a Talia, je l'avais pas À vu. part Thalia, c'est pas mal. Dans Sedge, c'est bien. Dans Ornn, c'est bien. Ouais, Donc en vrai, c'est bien, à part dans contre les Thalia. golems, c'est trop bien parce que tu peux go in ulti et rafaler tout le monde. Après, Senna est assez free dans cette game. Hein. Senna, il n'y a rien qui la touche, frère. Il n'y a que Kai'Sa En qui vrai, peut dalle j'aime dessus, quoi. bien. Moi, j'aime bien. Putain, la bagarre que ça va être, frère, ça va être une bagarre là. En Je te plus, jure. matchup au mid, il est pas mal pour Ryze. Ah ouais? Mais dis-moi des trucs comme ça, frère. Dis-moi, frère. J'ai besoin que tu me dises des trucs comme ça, même en moi, frère. Allez. Là, je veux qu'on fight bien autour du Renekton cette fois. Je veux pas qu'on se retrouve à laisser Kabo en 1v4 et il arrive miraculeusement à faire un kill. Je veux qu'on soit en 3v3 et il y a Kabo, il tue tout le monde, fait triple kill. C'est ça que je veux. C'est ça que je Ouais. veux. Non mais là faut juste là, comment la game va se passer, c'est ça va push mid ensemble avec Rell Ryze, ça va rombot au top et c'est tout, hein. Ça va être ça pendant toute la game. Ils sont full AP à droite en plus, hein. Full de chez full. Hein. Ouais. Ouais, mais Kai'Sa Nice. va juste jouer AD, hein, mais. Ouais, mais bon, ça tape un peu à AP avec le passif et tout, frère. Ouais, mais vas-y, frère. Après, il n'y a pas. Ouais, après. Kai'Sa, elle a un boulot à faire là. Elle doit en tuer des gens, frère. Voilà, là c'est. Si elle n'existe pas, la game est gagnée, frère. Allez, allez, allez. Allez, les gars, c'est le moment. C'est le moment où il faut être concentré. C'est le moment où il faut être le plus dedans. C'est le moment.
On a notre dos contre le mur. Face au mur, pardon. Ok, au niveau des runes, Aftershock, Aftershock, Conqueror, Grasp, Phase Rush, Conqueror, Lethal Tempo. Et bien évidemment, Fleet Footwork sur la Senna. Et Aftershock sur Camillus avec son, son Nautilus. Allez, cover classique des deux côtés. Enfin, pas très classique parce qu'on a Caliste en haut. Mais cover de tous les angles possibles d'Invade. Pour l'instant, il n'y a rien. Allez, Targou sur Senna. Dernière, la seule game qu'il a fait de la saison, il a fait 10-1-10. Je m'en souviens comme si c'était hier. Normal, c'était il y a deux jours. Saken sur Ryze. Il a été ban tout le BO. Et là, il était ouvert. Il est parti dessus. Bon match-up contre Thalia en plus. Selon les dires de Niski. Et je vais le croire. Ouais, il est bien. En vrai, il est bien le match-up. Et je vais le croire. Et double ward. C'est vu par les deux équipes. Il y a un sweeper pour prendre celle de la K-Corp. Regardez leur ward. Oh, Cabo, j'aime bien cette ward. I like it. Va attendre un peu, mais non, ça sert à rien de trap avec Renekton level 1. T'as pas non plus. C'est pas un Olaf. Et commence bot side. Ouais, j'ai la game 5 Olaf, je l'ai vu. Et d'abord, faut gagner la game 4. Ok, on va avoir l'info sur la Sejuani. Ça, c'est bon, on est sûr. Synchrof sur le red buff. La start au Corbin avec Sarel. J'aimerais bien voir la lane bot. Et on la voit. Parce que la dernière fois, il jouait Senna contre Alistar. C'était encore plus simple que Nautilus. Nautilus, t'as quand même cette menace du hook. Là, il y a level 2. On va juste rien faire. Okay. On va juste voler son âme. Parlons un peu du match-up mid. Parce que t'as dit c'est bien, mais je pense que Ryze, il a besoin déjà d'être niveau 3. C'est bien parce que de 1, le Ryze a du setup sur Natalia. Ouais, ça peut être normal. Natalia a vraiment setup. Et en plus, elle a pas de gen qui va faire chier le Ryze, quoi. C'est une sage, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc là, le Ryze, il va juste free scale. Il est même en side et tout. Il va être assez broken. C'est magnifique. Là, j'ai bien le pick Ryze. C'est quoi les build Ryze en ce moment? C'est du classique. Ça dépend. Il y a un mec fort en France. Oh. Altercation jungle. On a la pris au bot. Saken qui peut venir, mais c'est Sejuani. Elle a son Q spell. Pas grand chose à faire. Synchrof qui look, il l'a vu. Hein. Il l'a vu dans le bush. Il veut jouer un peu avec lui, mais attention, je pense pas qu'on on est gagnant dans à ce jeu-là. J'aime bien qu'on match. Hein. Match, c'est bien là. Hein. Là, on peut. Là, il veut juste. Pas, c'est bien pour ouais, elle, hein. Il veut juste le faire chier. Parce que là, ouais, c'est parce qu'en fait, la bot lane gagne. Le mid, il est en full chilling. Ouais, de toute façon, Linsas, il est dans son side où il doit farm. Ouais. Et le top, il gagne en isolé aussi. Donc, ouais. C'est parfait, frère. Si on se neutralise et qu'on fait que de se regarder. Dans le blanc des yeux, attention, ça attention, 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 attention. Ah, mais Synchrof, il est pas con, il reste. Hein. Ah, ok, bon, attention, parce que le Nautilus, il bouge. Ça y est, là, on a assez bloqué. On va spot la sage avec la plante. Ça les empêche de prendre la plante. On va pouvoir prendre l'Hérald. Le crabe, pardon. Cabo, il est déjà en. Cabo. Il a 30 CS à 14. Grosse avance. Après, il y a une wave qui se crash. Il peut tenter un truc mid, là. Il a sa rage. Il a sa rage on, il a son flash. Double flash sur la Thalia, après elle est loin Thalia. On va aller chercher Linksas. Attention. La Thalia doit back. Hein. Le problème c'est qu'elle va avoir le back advantage vu qu'elle a sa TP. Ouh là là. Là il y a la TP. On prend ça en style, on prend ça en style, c'est carré, voilà. Synchrof, quand il vole les loups en early, c'est 100% de win rate, je le dis. Après on se fait cancel. Ouais, attention. Hein. Non mais là oui, il va bien en plus au mid. Hein. Je crois. Ouais, Saken il peut rester, je pense, il a ses cookies. Non, ouais, c'est bien, c'est bien. Ça push vers lui. La Thalia a perdu de l'XP. On a complètement isolé. Ah, ça joue. Ah, là, c'est bien, là. On va aller récupérer les âmes dans la jungle très tôt pour Targamas, vu que Kaliste a back. Il y a une grosse wave qui arrive et il sera là à temps. Ouais, ils vont la catch, de toute façon, il y a que le camp. On peut tenter un truc au mid like Targou, sur Tukui. Ah, il n'y a pas de mana. Ah, il n'y a pas de mana, il n'y a pas de mana. Il n'y a pas de mana. Après, il peut lui mettre un petit chunk gratos, hein. Un petit chunk gratos, c'est bien. Voilà, c'est gratuit. T'as deux sous le mid, t'as deux sous. Ah, dommage. Et hop là, la ping gratos, magnifique. Plus de ping pour tout couille. C'est très très bien. Ouais, ça joue faudrait bien. Faudrait qu'il trouve son back là maintenant, Targou. Et Synchrof aussi, hein. Ouais, c'est vrai que Synchrof, il a toujours pas back. Là, c'est Joanie non plus. Wesh, Drake aussitôt. Sans avoir back. En vrai, ça se passe, hein, ça. Ça peut être ok parce que ça crash bot et ouais. Ça a back au bot. Et la Sage a pas back non plus. En vrai, c'est pas mal, j'aime bien. Saken, plus il a la prio. Plus Saken a le push au mid,
Bon, la Sage, elle troll, elle refoule clear et tout, tant mieux. Hein. Ouais. Après, elle peut pas... En vrai, elle peut pas faire grand chose, y'a pas trop de lane qui gagne. On verra après ce Drake. Allez, ça c'est pour nous. On est trop stressé, on a oublié de faire le first Drake. Ah, je te jure. Ok, les gars, Soul. Soul, attends, c'est quoi? Y'a Extek, vont. Allez, frère, cette fois c'est infernal. C'est la chaîne. Je dis. Moi, c'est putain, la j'ai un feeling moi, de c'est fou montagne, sur la montagne. J'ai un feeling de fou sur la HM Tank. Chiki t'as gagné 100%. T'es que j'ai un feeling aussi. T'es sorti tout seul. Quand j'ai dit Infernal, j'ai pris par défaut. Et après, j'ai imaginé et je sais que c'est HM Tank. T'as gagné 100% frère. Allez, Cabo, en train de mettre une drill astronomique. Logique en même temps, vu du match-up. Taken qui va commencer à bouger. Il a son ult, hein. Il est vu ou quoi? Faut juste faire attention, oula, attention entre les... Ouais, ok, nice. Reculer, c'est bien. Parce que là, j'étais terrifié de la position de la Sejuani. Il a pas beaucoup d'HP encore, hein. Il a acheté que de la mana. Oula, la Sejuani, ah, on a une pink, après, on a une pink, on a une pink. On a nos flashs, on a level 6 sur Kaliste. Kaliste, oh, attention. Ça, j'aime pas. Et là, on va se rendre invisible. Il y a un hook qui va partir, flash hook. Kaliste, oh, c'est magnifique, c'est un flash gratuit. On va route, on peut peut-être 2v3, on a l'ulti de Kaliste qui va ramener Camillus dans la mêlée. Les dégâts sont énormes sur Camillus, allez Kaliste on continue. Kaliste on continue, et c'est le first blood. C'est le first blood pour Targamas en 2v3. La backlane secrète. Voilà frère, là ça joue. Elle a jamais déçu cette lane frère. 1500 gold d'avance à 7 minutes. C'est grave, surtout couille, sur un flash. Ouais non. On va juste aider à crash. Même pas, on va juste avancer, mettre la pression et aller dans le top side. Justement de l'Insas, il s'est montré bot. Il a une plate. Allez, une plate magnifique. C'est ça. C'est ça, frère. 20 CS d'avance au top. À 7 minutes. Même en jungle, wesh, Tinkroff, il a une montagne d'avance, frère. C'est bien, là. On le raid en plus. Ah, là, c'est Joanie, elle va. Le level 6, il est pas si loin que ça, mais. Mais c'est Joanie, elle est pas contente, là. Hein. Allez. Allez, bonne early, là, level 6 pour Tinkroff. Il va continuer d'aller gêner Insas dans sa jungle, j'aime bien. En fait, on voit le Nautilus bot, eux ils savent pas où est la Senna, donc l'Insas tu vas juste reculer. Allez, va faire tes golems, gros. Ah, va faire tes golems, va les faire. Va les faire. Ça que dit, il a la priomi, t'es obligé de donner, t'as pas le choix, frère. Ouais. En plus, le rift là, il est à nous, hein. Ça va, il doit avoir beaucoup de gold, attention. Senna qui est là. Ça c'est dodge. Synchrof. Dommage. Dommage. Il a forcé le smite, hein. Attention, ulti. Oh, c'est raté. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est chié dessus ou quoi, frère? Magnifique, frère. Magnifico! Magnifico! C'est un free rift, tu le crois, hein? Ouais, c'est pas, je suis pas, je pas, crois pas, j'en suis sûr, frère. J'ai même pas parlé. On a encore l'ulti, hein? Sur la rel. Mais Linsa, ça a trouvé son niveau 6. Free rift, Drake dans 2 minutes. Kaliste, il move, et là, c'est pour de vrai. Est-ce qu'on peut catch tout coup? Il y a trop de chèques, il y a Linsa. On va catch tout coup avec l'ulti. Flash out, on va le ramener, il y a Targamas. Attention, hein, cette fois, il n'y a pas de quoi s'en sortir. S'il y a une cleanse, il y a une cleanse, Camillus qui va mettre son hook, Saken qui arrive. Un peu en retard, l'ulti, un HP, mais meurs, frère. Allez, c'est bien, on a pris les rades. Bon. Je m'en bats les couilles, frère, il doit mourir. J'en ai marre, frère, ça fait trop de fois, là, c'est ce BO, c'est trop, wesh. T'as dit quoi, Chix? La botlane secrète, c'est pas des lol. Après, on m'avait dit crame, tu mens et tout, voilà. Ta meilleure botte, frère, ça va être pique encore. Allez, moi, quand je l'ai vu, j'avais des étoiles dans les yeux, frère. Vraiment. Un ADC qui rompt comme ça au mid, qui fait craquer un flash. En fait, l'ulti, en fait, c'est un ADC, mais oublie la format ADC. Quand il a son ult et tout, ouais, c'est trop, wesh. Allez, une sas bot side, il a rien à faire, mais il est perdu, il sait pas où aller, droite, gauche. Ils ont des pings. En plus, à droite, je sais pas, c'est tellement dur de faire des plays et tout, en vrai. À droite, y'a pas de dégâts, frère, hein. Je te le dis moi. Talia avant les 3 items, elle fait rien. La deuxième Drake, logiquement, on le prend aussi. C'est sûr. Faut pas le laisser. Là, faut les stack les Drake. Allez. Kaliste, il est bien. Rush Collector. Je pense que le seul problème de la botlane secrète, c'est l'itemisation sur Nila. Je pense elle est pas. Pas dans le sens, elle est pas opti par Kaliste parce que c'est les meilleurs items possibles. Mais Start Collector et tout. S'il y avait des meilleurs builds. En vrai, attends, après, moi j'aime bien. Hein.
Imagine avant avec Shitbro et tout, comme c'était fort. Il a combien d'âme, Targou? 42 déjà. C'est moins que la dernière fois, après la fois c'était une game caviar. Hein. Après là, il est obligé d'aller le chercher dans la jungle. Pas de soul, là. Il doit bouger. Attends frère, wesh, ils ont pas fait le Drake encore. Il est pressé celui-là. Non, non, mais pas la soul, mais pour la celle-là, wesh. Ah, ok. Parce qu'elle a pris le raid, mais y'a pas de. Ah non, des fois y'a pas. Pas de stack. Sur les camps, on doit pas full petit truc, c'est de la frappe, mais. Okay. Oh oula, attention, ça qu'un nice flash. Nice flash, c'était la mort. Hein. C'était la mort, mais là, est-ce qu'on peut répondre? On va W, Minsa, Stargamas qui est. Caché, oh là là, l'ingage de Seacroft elle est bonne. Double TP, Camillus, oh là là. Regardez Kalis, il arrive, hein. Lucci, oh là là, Lucci, Cabochard qui va flash in. Il a pas touché le slice, il y aura pas de dice. Mais Camillus qui revient se suicider. C'est une mort. Gros, suicide, frère, le suicide. Gold d'avance là, en plus. Là, on les explose, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est broken. J'aime trop jouer ce perso en plus là, mais son E, personne peut follow up. Et là, Seacroft il a le champ libre pour faire une top engage. Il y avait le mur, il y avait l'ulti Nautilus sur sa queue. Il a tué les 4. Ouais. Dommage, hein. Là, s'il y a le slice et le dice qui suit, c'est un massacre. Oh, ça prend full plaque au bot. Ouais. Drake, 4 plaques déjà au bot. En plus, c'est Nila pour prendre les tours, c'est du jamais vu. Hein. Nila, quand elle met un Q sur la tour, ça explose. Attention, on va pas prendre trop de coups de tour. Seacroft, il est là, Seacroft, il est là, frère. Seacroft, il est là. On n'a pas eu Drake encore, on va le prendre maintenant. C'est bon, hein. 0-2-0 Nautilus, ça, c'est des... Ça, c'est des games cauchemars, ça, je les connais. Ah, oui. Ils sont tous en 0-0-0, mais il y a 4000 gold d'avance, wesh. Ouais. Faire, hein, les plates, hein. Encore Cabo, il a encore des free plates à prendre, je pense, top lane. Saken qui vient aider. Saken, il a eu deux plates mid, hein. Non, mais là, tout le monde est bien fait, là. Ouais. Ça veut tenter un truc topside, là. Ça va empirer, hein, pour à droite. Je pense pas que ça scale forcément bien non plus, hein. Ah, en fait, c'est du scaling, mais il faut 3 items sur la Talia, 3 items sur la Kai'Sa. Ça peut pas jouer, je sais pas. Ouais. En vrai, je comprends pas trop leur draft à droite, mais... Il y a pas de side. Ok, Cabo. Il a pas besoin de le tuer, il a juste besoin de le faire back et comme ça il prend la plate. Faut juste faire attention, ok. Ouais. Ça fait depuis un petit moment qu'il ping topside. Ouais, là Cabo il essaye de rugir recul, il sait que Seacroft est bot. On prend la T1 bot, il y a aucun match possible, c'est pour lui. Il est dégoûté de pas prendre cette plate, mais c'est la vie. Ouais. Oh, là il faut gagner la game. Tech en plus. Attends, ouais. C'est qui personne a dit Chemtech, non? C'est moi, frère. J'ai dit, ah putain. Non, Kram, il a moi j'ai dit Chemtech. Non, ta grand-mère, t'as rien dit ça toi. Ok, attention, Cabo. Il a pas de flash, Cabo. Il a l'air d'être une mort, mais... Il a pas de Dominus non plus. Il est mort. Même avec l'ulti Senna, ça suffisait pas. Pas grave, une petite mort. Oui, ça arrive. Pas grave. Je peux pas faire grand chose, ça fait 5 minutes, ils l'attendent, mon frère. Hein. Ah, surtout qu'en plus, à la base, il avait Gordricker, Mercure, putain. Ah, je te jure. Avec ça, là, c'est pas le même fight. Hein. Il peut survivre un peu plus, beaucoup plus même. Allez, Targou. Wesh, Targou, il y a une soul derrière, prends! Il peut pas là, faut avancer, connard! Hop là, il y a une autre. Tellement riche en dessous. Oui, Seacroft? Oh, dommage. Il l'a vu, hein, il peut pas lui dash dessus. Il peut, frère. Recule, the B. Faut juste pas go trop ouais, deep. Ouais, attention. C'est le timing avec ta. Oh, yeah, yeah, il a un flash, il a pas de flash. C'est bizarre pour le frère. Il se fait cancel, tellement pas de chance. C'est bizarre pour le frère. Attention, on va pas trop donner de free kill là. Ouais, là c'est. Saken en avait un, après il a plus de cage là. Il y a la plante, il y a la méga plante, GG frère. Bon, faire attention, on est bien devant mais. On est encore bien devant, mais bon. On est pas trop de free kill. On est trop deep quoi. Attention. Non, les gars. Il dodge tout frère, il dodge tout le frère. Ok. Y'a pas d'ulti sage, il l'a claqué. Y'a rien frère. Nila, ça a beaucoup de survie. Avec Senna en plus. Allez, prends-moi ses armes, régale-toi, Targou. C'est toi le carry cette game, c'est toi le carry. Il a déjà son éclipse. Ça va exploser maintenant. Tu sais que j'aime trop cette botlane, frère. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de point faible. Elle est bien. Elle est vraiment bien. Elle est bien, Niski, ça le voleur. Elle est pas mal, hein. Pas mal, botlane. Attention. Elle est bien, Niski. Elle est bien. Deuxième rift, Seacroft qui s'y colle. On va continuer de pressure cette T1 top et elle va tomber. Ouais. Un peu loin, côté Géo.
Et une TP et tout, mais bon, ça sert à rien. Wouah. Je peux défendre l'indéfendable. On va back maintenant. Nice. Hop là, rift, tout. On prend tout sur la map. Donc faut juste pas donner de free kill, c'est tout ce qu'on demande. Là, faut back. Ryze prend une wave, va au top. Ça, de toute façon, là, il commence à être bien. Bien. Beefy. C'est ce que je vais dire ou pas? Ouais. Et plus ça va avancer, plus il va avoir 3000 HP. Il va venir avec 3000 HP. Hein. Ah non, mais là, il est. Oh, Syncroft, tout couille qui est tout seul. Il a un flash. Viens là, le stun. Flash out. Saken qui peut la taper, non, c'est trop deep. J'aime bien. Trop deep. TP pour flash. On a perdu la TP, mais ça reste ok. C'est Ryze. Il peut quand même faire des petits trucs. Avec l'ulti. Ah, maintenant, faut faire attention au mid. Ok. Là, de toute façon, ça pose juste toutes les lanes et. Ouais. Et c'est tout, hein. C'était joli, on sait qu'elle est rentrée ou pas, non? Allez, partir chez des wards bien deep, Linsas. Pink, bien loin. Dans une minute. Mais en fait, sur la map, on les outplay tout le temps. Il faut juste pas donner de free kill, prendre son temps. Et derrière, sur la map, on va les brûler. C'est comme ça. On n'a pas forcément besoin de jouer aux mécaniques ou bien de jouer des trades. Là, ils ont un timing où ils sont en 4v5 commit. Il faut le respecter. Ouais. Parce que Saken est au top sans TP. Ok. Il va sauter en plus, non, frère. 35 secondes sur le Drake, Saken a push, il va venir à pied maintenant. Syncroft qui attend dans le bush. Ça me va que ce soit Syncroft qui attend. Attention, Cabochard, ils savent qu'il est là, ils vont tout lui mettre. C'est 4v4 pour l'instant. Survie. Ah non, Jésus qui va y aller. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on peut prendre un kill? Saken qui va rentrer dans le fight. Il faut aider sur Jésus. Jésus qui va prendre le kill, qui va s'escape. Allez, Saken, Kalis, Syncroft qui va attraper Jésus cette fois. Le stun de Syncroft est magnifique. Saken qui fait un massacre. Il n'y a plus de flash. Sur Tukui, c'est pour ça qu'il le focus. On va aller le chercher. Tukui qui va mourir. Saken sur Ryze. Il a pris trop de gold. Là, il va être bien. Là, il est bien, là. Ouais, dommage, on a un peu abandonné Targu, là, sur la Kai'Sa. Elle s'est régalée aussi, hein. Prends le Drake, hein, sous le point. Regarde, ouais. Il a dû crier. Help me, tu peux rien faire contre ça, elle tape trop vite. Son Q-spell et tout, c'est du one shot. Il a crit en plus, bâtard. Ouais. Là, c'est Croft qui trouve la ring gauge, double stun. Ça fait moins de 1 chance. Je suis pas fan du flash, hein, qu'il a fait Jésus, frère. La flash dans le pit pour revenir en fight. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu. Après, il y avait Saken dessus, je crois. Elle avait pas trop de choix, je pense. Ouais, il y avait Saken dessus. Ok, Saken, deux items. Mais là, faut qu'il stack les items aussi. Hein. Ouais. La tire, c'est quasiment fait. Et le ROA, ça va arriver avec le temps. Wesh. Ça prend une wave à deux là. Ah, il voulait pas laisser la wave. Syncroft, tu vois bien la différence avec des jungle setup et tout quand même. Ouais. Ouais, bah ouais, là, c'est son terrain de jeu. Tout à l'heure, il a eu une game un peu moyenne sur Rel. Mais celle-là, elle est belle. Une petite erreur quand il se fait catch, mais sinon tout le reste, c'est magnifique. Et quand on a un Syncroft qui est en forme, quand on a un Syncroft qui va invade, qui met du rythme contre le jungler adverse, derrière ça déroule. Saken, il va mettre deux niveaux avec le roi. Hein. Non, là, elle est bien. Il va farm tous les camps de jungle et tout en plus. 20 minutes après, là, quoi, là. Ouais, personne au bot de notre côté, hein. Ouais, c'est ça que je me disais, j'ai l'impression qu'on veut nage, frère. Bizarre. Ah, c'est bizarre un peu là. On veut peut-être envoyer Cabo. Je pense qu'on va envoyer Cabo, c'est les deux. Alors, en fait, ouais. Faut push top, faut push bot et faut commencer à jouer le nage, hein. Ouais, en face, on va pas qu'il y a personne au bot que ça groupe là. On cherche, surtout que là, c'est Ragnar sur son horn. Il est pas tombable. Pas donner cette tourelle gratos, mais après, si on prend une T2, ça me va. Hein. Après, si tu prends une T2, c'est ok pour la T1. Là c'est fait, oh. Je pense qu'on les a lus, frère, tout simplement. Saken il va TP. Est-ce qu'on va claquer une TP pour aller bot? Après c'est full économie si on claque la TP pour aller bot. Faut vraiment garder le. Je sais pas s'il a, il l'a. Ouais. Si on TP pas, il l'a. Donc on va prendre le parti de le laisser. Et est-ce qu'on peut pas 20 minutes nash par contre? C'est ça que je me demandais. J'aime pas juste start le nash, hein. Je veux que ça chunk et tout avant là. Déjà, on va prendre toute la vision dans la jungle. Là, ils peuvent plus face check comme ils veulent. Ok, ça start direct. Ça start direct, hein. On a de quoi le tanker. Oulala, attention, hein.
Oh, on sait jouer à Nino Chilus. J'aime pas. La Thalia. Ok, on va laisser. Ça sert à rien. La TP. Ça sert à rien. Synchrof sur Camillus. Ça, c'est un free kill par contre. Hein. Ça, c'est un très bon free kill. Non, il va flash out. Attention, Cabochard qui va prendre cher. Il faut le protéger. On peut pas prendre 2 kills en échange. Ragnar là peut-être, Ragnar, allez, encore un peu, Saken. Oui, Saken, il va le prendre ce kill. Pendant ce temps-là, Synchrof et Kalist ont pris très cher. Saken qui va se faire hook là-dessus. Saken qui va go in. Attention, oui, Linsas qui va tomber. Kalist qui essaie de s'en sortir. Le caillou qui va pas toucher. Allez, c'est bien. Ah, Saken, ça va être un problème. Hein. J'ai vu que cette Kalist a l'air des... Ok, l'ulti de Saken. Il va y aller surtout, il a pas de flash. Hein. Oh, il a raté. Attention, la cage, il est tellement tanky, il est tellement biffy, ça calme. Le petit Kalist qui a battu Jésus et Camillus, c'est un double kill. C'est Nash là, non? Est-ce qu'on peut? Je pense pas. Hein. On peut, ouais, on a la TP, on a la TP, ouais, on a la TP, c'est bon. C'est Nash. Ok. Oh là là, Saken, qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Bah, je te jure, tu le sens bien là, il est sur ses bras. Il est tellement fluide, frère. Après, c'est celui qui a flash bizarrement, ça m'a choqué un peu. Flash, ouais, le flash, j'ai pas compris là, le... Ah là. Ouais, là, il va flash maintenant, là. Après, juste après ça, exactement. Là. Ouais, là, il va flash in comme un fou, frère. Je sais pas si... En fait, c'était trop fluide, il a appuyé comme un pianiste sur tout son clavier, et le flash, il est parti avec. Ça sonnait bien. Et là, ouais, il y a une mise synchro, le caillou, le hook. La Kalist, oh les dégâts, frère Camillus qui disparaît. Putain, tellement mal, Nika, frère. Synchrof là, il est bien tanky. Level 12. 8 000 gold avance. Ouais. Là, faut débloquer la T2. Ouais, T2 mid, T2 bot, hein. T2, je pense, ouais. T2 mid, T2 bot, Drake s'en bat. Attends, on comprend le Nexus. Ah, mais non. Je te jure, frère. Après, ils peuvent rien dire, hein. Ça, c'est notre T2 déjà pour commencer. Ils vont peut-être essayer de dire attention, oulala, Kalist. Ah, ils peuvent dire. Mais Saken lui aussi, il parle. Attention, Synchrof, il pourra pas prendre le kill. Synchrof, il va tomber du coup. Non, putain, non, mais pas besoin. Regardez les gars de Saken. Pas besoin, les frères, d'aller sous la tour. Pas besoin de se mettre en situation de danger. On sait qu'ils ont une compo hard engage. On sait que c'est ce qu'ils vont chercher à chaque fois. En plus, on a pas de TP sur. Bah, les deux mecs sont morts, c'est jungle, ouais, jungle AD, donc y'a pas de TP. Après, y'a un monde là, mais c'est. Ça bizarre, peut fight, quoi. Mais c'est risqué en vrai. Alors qu'on peut le donner, on peut le donner ce Drake, la vie de ma mère. Moi, je crois qu'il faut juste le donner là. On peut le donner ce Drake, la team. On peut le donner ce Drake, la vie de ma mère, on peut le donner. Saken, il a beaucoup de dégâts, mais bon, on peut le donner aussi. Oh là là, Cabochard! Cabochard qui va tomber! Après là ça revient, là, ça revient. Ça revient. L'ulti, okay. Oh là là, ok. On va TP derrière. Oh là là, Saken le magicien. Il a TP derrière le mur. Allez Saken. Oui Saken. Saken qui va prendre Ragnar. Il va aller chasser. Non Saken la game. Saken Targamas. Incroyable teamfight. Même Cabo hein, sur le début du fight, il arrive à bien temporiser. Ouais. À créer l'espace pour justement. Permettre ce reste, fight. Ça reste ok, hein, mais. Ça reste ok, mais attention, on n'a pas besoin de faire ce ouais, ces conneries là. Ouais. J'ai l'impression qu'on prend des risques pour rien là. Ah, je te jure. Il tanque tellement, frère. Frère, il a 3000 HP, mon gars. Hein. On va prendre les deux T2 du coup. Au cas où. Ah, Jésus, c'est un ouf. Attention, Synchrof. Ouais, le stun, il va se faire space. Hein. Ok, Kalist qui va prendre le kill. Kalist qui va tomber. Malheureusement, la tourelle était à 1 HP. Camillus qui va tomber. Okay. Allez, on peut attraper l'Insas maintenant avec ça, c'est Joanie. Non, il est à la plante. T'es quoi, début, j'ai pas compris ce qu'il a fait Kalist. Kalist, il est Kalist, trop il est malade, frère. Il est malade. Mais ça a marché, hein, au final. Hein. Là, ça a marché, là. Non. Il connaît ses dégâts. Là, je pense qu'il comptait sur quelqu'un pour prendre la tour. Je pense qu'il peut survivre, en plus. Hein. Bon, là, on a toutes les T2. On va voler les camps. Là, faut réattendre le Nash et le Drake. Hein. Ouais. Petit moment de battement, rabattons. On va terminer la game là, mais... Là, Saken, les dégâts, les gars, si déjà vous étiez impressionnés, préparez-vous. Ah non, là, niveau 16, rabot, ouais. 110 stacks aussi pour Targu, RFC. Il est full stuff, hein. J'ai dit, c'est n'a pas besoin de plus, hein. Là, il met 5000 gold de show. Après, en même temps, Nocturne, tu veux que ça fasse quoi, le frère? Je suis obligé de le défendre. Mm.
vrai que mais... Targu 100% non, café non. Là. Ah mais Targu, c'est game scénar. C'est bip, prends-le Scrab, voilà pourquoi tu veux pas le prendre. Truc vert, il tape deux fois, wesh. Oh, on s'en branle, mais bon. Star, fallait laisser le raid à Targu, je le dis. Sous RFC Eclipse avec Senna, là il met une auto, il met midlife. T'es couille en plus, hein. Ah, je te jure, c'est vrai, hein. L'autre il va dedans, frère. Donc. Il y a un mec, il a écrit Synchrof, ça. Les gars, c'est juste un crab, c'est pas grave. Je pensais que le Pikmin allait le tuer, mais il manquait un coup. Allez, les gars. On va prendre la vision topside, bien deep. Oh, ça gueule sur Ryze. Je vais pleurer, frère. C'est quoi cette game de taré? Après, t'as râlé aussi, c'est vrai. C'est vrai, les gars. Mais j'ai repris mes esprits juste après. 3 levels d'avance, ouais. Niveau 17, Saken. Il ouais, survole la game. Là, il vole au-dessus de la game. On a des stopwatch au niveau des flashs. Toujours pas de flash Jésus. On a tous nos flashs quasiment sauf top jungle. Pas l'info pour Synchrof. Donc quand ça revient avec Cabo, un petit moment encore. C'est-à-dire que sans le RO, il avait deux niveaux d'avance, ça quel... Ouf, des grands 1000. Écrit 1000. 1042, frère. 1000. Attention, Linsas, Camillus. On a stopwatch sur Saken. Hein. On a stopwatch sur Saken. 3 items sur Kaliste aussi. Oula, Kaliste, c'est dangereux. C'est dangereux, mais là, il va tout tanker, là. Hein. Il va tout tanker, hein. Il va tout tanker, il va pouvoir peut-être go in. Oh là là, le premier kill. Targamas qui a récupéré. Synchrof qui va flash in sur Jésus. Est-ce qu'on peut follow up? Non. Synchrof qui va se recroqueviller. Oui, Jésus, allez, on va le one shot. Magnifique. Kaliste qui va récupérer le kill. Ah, 27 Nash. Secondes avant le Nash. C'est Nash, Drake, terminé la game. Allez. 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 Après, il a un flash, les gars. Il a un ulti. C'est pas grave, ulti pour ulti, frère. Et nous, on voulait aller bot de toute façon pour ça que. Eh oui, frère. Nila, avec son spell anti-auto-attaque, là, elle tank le monde. Ah, ça fait pas le Nash, là. Si, ça va le faire. Là, il y a Synchrof qui revient. Ah, ok, ok. Saken qui push bot. Allez. Juste envoyer quelqu'un pour bloquer. C'est Saken qui doit faire ce job. Il va TP. Ouais, juste quelqu'un qui bloque la sèche, c'est tout là. Ouais, pas de style là. C'est mauvais. Elle va attendre le dernier timing. Il a 2000 HP. Tu vas mourir, frère. Voilà, tu vas mourir. Tu vas mourir, t'auras pas le nage. Ça donne la soul en plus. Ah, de toute façon, ça la peut soul. Peut-être jouer les inhibs avant la soul, hein. La soul, c'est la nôtre, quoi qu'il arrive. Ah là, on a un boulevard là. On a un boulevard pour terminer cette game. Oh, le blue buff. Level 18 blue buff. Oh, il va être trop heureux, frère. Ok, soul. Allez, soul chem take. 140 stacks, Senna, il a fait un GA, ça c'est trop malin ça. Alors ça, vraiment c'est vraiment malin parce que même moi des fois je cherche un troisième item à faire sur Senna, je pars sur des Kraken ou bien des Black Cleaver, des items un peu, des Anathema et tout, mais lui il a fait un GA, il est trop malin ce mec. Et il a dit même moi, wesh. Après je te jure en fait c'est un perso au troisième item, tu peux partir sur tellement de trucs. Personne qui veut prendre le blue. Il y a que Synchrof qui peut le prendre. Mais non, il y a que Synchrof qui peut le prendre. Mais Tiki, t'es con ou quoi? Bah si, c'est Saken qui l'a fait. Mais oui, c'est Saken. Mais pourquoi il le prend pas? Bah Synchrof s'en bat les couilles du blue buff, frère. Tu vois pas sa mana? Ah, ça donne un peu de CDR, mais il a besoin d'être à côté de la mid lane. Ouais, tu m'as dit quoi? Ah, rien, il a raté le G-Sedge. Ah, ok. Ah, c'est mon move signature celui-là. Ok, le stun, ulti Senna, ça va faire mal. J'aime bien, on tank encore pour Synchrof. Synchrof qui va finalement tomber. Saken qui est pas dans le fight. Saken qui vient de rejoindre le fight. Saken les dégâts. Pendant ce temps-là, il a push un peu le bot. On a une wave qui arrive. Attention, on est bloqué. Hein. On est bloqué pour Saken. Faut pas mourir en attendant Saken. Oh là là, Kaliste il va go in. Est-ce qu'il peut ulti? L'ulti de Kaliste. Kaliste qui va prendre double kill. Kaliste, le massacre. Saken pendant ce temps-là qui va chercher la backline. C'est fini, game 5. C'est terminé. Allez, tu sais que Tiki, je l'ai dit, hein. Game 4 stomp. Il l'a dit, hein. Et t'as dit game 5 easy aussi. On a envoyé game 5, normalement, ça devrait être easy parce que là, ils ont le mental. Oh là 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 là. Trop de buff ont été envoyés pour cette game. Bah, Yoshi, c'est Mario, trop. Pouf. Ah, regardez-le, il est trop heureux. Oh la game, ouais, ouais. C'est quoi ce mec sur champion? C'est quoi ce mec, wesh?
Ah frère, Sakenrise, la... je peux pas être plus rassuré que ça dans ma vie. Oh, game 5, bah bah bah. C'est game 5. Game 5, la team. Côté a fait un dégradé, je balance. Hein. Côté a fait un dégradé. Côté, il est là. Ça, on est là tous les jours, quoi, d'art. Mais je sais pas, mais genre, il est là en mode, je sais pas. Ça te fait rire. Comme si c'était le coach, quoi. Il rentre. En... C'est lui le coach maintenant. Hein. Alors qu'il joue fait du 6 en D4, wesh. Ah, putain. Ils ont fait exprès de nous faire durer pour nous faire stresser, je t'assure que non, mon frère. Ça joue bien en phase aussi, ça a des petites drafts cachées, des petites botlanes secrètes aussi. Hein. Bon, là, voyons voir en red side qui va se passer. Hein. Ouais. Le Ressa est à 100% de 12 raid sur ce BO. Et oui, les amis. Mais là, c'est là où c'est. Ça va tourner, justement. Ça va tourner, justement. Je connais cette house. Tu le sais, Rip. Bon, maintenant, faut juste une bonne draft, hein. C'est tout, hein. Pour la qu'est-ce qu'on va faire, red side? Attendez, je vais voir. Je pense qu'il faut ban réel, hein, pour moi. Je pense au banrel, faut pick sage. Ah, je pense faut pick sage, quoi qu'il arrive. Et je pense du ban hivern parce que. Ça, je veux pas voir. Ouais, je te field. Oh. Et avec sage, non sur... Attends, faut que je m'entraîne. Mais il est fou lui, tu te kiki. Comment ça tu t'entraînes? Le format ultime. En mode là, il est devant son PC, il fait l'éléphant. Ok, t'es prêt? Allez, vas-y. Une sacrée... véritablement une balle au centre dans cette série, messieurs. Une game de team. Mais tu te fous de ma gueule là, c'est quoi ça? De chaque côté, on repart. Là, t'as j'ai soufflé dans ton micro là, c'est quoi ça? Ah ouais? Attends, j'enlève le casque. C'est qui part aussi de la botline. La lane, c'est Nanila qui a le push, ça débloque Steamcraft dans la jungle qui joue très gratuit. Faut le faire enculer Kiki, Nanila. Je te jure, moi je dirais que tu t'es mouché. Ce camp de loup. Et ça bloque. Tu étais obligé de refaire là. Ça, c'est une j'arrive pas. Je rigole quand je dis les fois, j'essaie de le faire au pif, frère. Drafté contre Talia, je pense que c'est pas mal. Ah, les gars, c'est perdu. Et ça lui a permis de raser. Non, non, attends, il faut que je retrouve un autre buff là. En plus, le Rington, qui on le sait, gagne de toute façon. Contre Lorne, la draft était très. Qu'est-ce que je sais faire quoi sinon? Et l'exécution était magnifique du côté de la. Le chien, il skip et toi en bas. Il y a des moments, ils vont un peu loin. Tu sais faire le chien? Ils vont un peu punir de temps en temps, mais globalement. Ah ouais, frère, je sais faire le bébé chien, le bon bébé chien. Comment ça, le bébé chien? Le bébé chien tout mignon qui sort de l'œuf. Mais quoi qu'il en soit, la victoire est au bout. Alors, il sort de l'œuf. Savais pas que les chiens, ça faisait dans un œuf. Ouais, s'il te plaît. On les a compris aussi. Avantage d'XP. C'est vrai qu'il y a la mouette, les gars. Mais l'arc mouette, il est fini. Là, non, non, pas mouette. C'est comment ça, mouette, wesh? Bah, tu connais pas les mouettes dans Nemo? Non. Ah, tu connais pas les mouettes dans Nemo? Non. T'as jamais regardé Nemo? Contre un peu le côté grabber, léonatière et tout ça, où justement tu peux bloquer l'auto-attaque qui stun. Et je préfère largement, alors moi c'est mon avis, je préfère largement avoir un Nico, un champion à distance qui peut être AP, qui peut justement empêcher totalement la botlane. Ah, tu devrais regarder Nemo alors, Niski. Hein. Que la draft. Ah, j'ai la flemme, wesh. Fait qu'il y a un 2v3 perdant pour Geo, c'est illégal. Et que Sakun puisse autant teamfight. J'ai un mal de tête. Quelqu'un qui devrait analyser plus que moi là. La lane, okay, la non, moi je suis fatigué aussi, frère. Mais comment ça? Je suis fatigué. Une journée de scrim, oh.
trop de menaces, hein. C'est un peu la grande LAN, de cette compo, c'est que LAN 4 joueurs LAN. Sur 5. Et comment ça LAN? Exactement. On va faire LAN. Bah non, c'est une machine à ACP. C'est pas le faire. C'est quatre quoi quoi frère. Bah c'est LAN ça frère, commence pas. Attends. Non, je peux pas. C'est trop, c'est quoi cette LAN? Elle force plus quand même en boost très souvent. Ouais, ou même ban notamment pour les parties précédentes. Mais ouais, comme je le disais en commentant la game, Niska fait le. Niska, moi. Niska, tu veux que je rappe ou quoi? Tu veux que je rappe? Je peux faire un showcase en direct, hein? J'allais dire. Je pense qu'il s'est. Priorité bot plus jungle gagnant. Mais y'a pas, le solo rap fait pas de son, wesh. C'est un maestro du. Il a pas le droit de faire ça, il est en 1v5 en train de front, il flash. Oh, je sais ce que je sais faire. Vas-y. Le truc, il fait roux, roux. Oh, c'est le pigeon, non? Le pigeon, ouais. Vas-y. Tu peux faire le pigeon, t'es prêt? Vas-y. Je sais pas, mais c'était sa game et c'était vraiment. Corbeau, ouais, corbeau. Déjà, les demi-finales avec Carmen Corp, c'est mystique. Mais alors, ça va en vrai, hein? Ah, je l'ai fait bien! Ouais, mais game 5 encore, hein? À chaque fois, une game décisive dans toutes leurs demi-finales, et dès que. En vrai, je l'ai fait vraiment bien, hein? Yes, il se transforme en. C'est pigeon, ça? Un joueur de la galaxie, je sais pas. Ouais, c'est pigeon. Sous Covid, mais. Ouais, les sensations. Mais comment c'est? Il était bien, wesh. Ah, en vrai, ça va. Il joue vraiment très très bien. La grenouille, wesh, les gars, gros. Oui, bien sûr, on comprend. On savait pas pourquoi, maintenant on sait. C'est marrant, vous êtes obnubilé par la performance de Ryze qui est XXL, et moi je suis obnubilé par la performance de Syncroft. Et lui de par qualité. J'ai un mal de tête de fou là en plus. Moi aussi j'ai mal à la tête. Non, t'as Ryze encore plus, parce qu'il a été sur 100% de KP pendant quasiment tout le temps. Ah ouais, j'avais Game 5, t'as dit tu fais Omer. Ah ouais? C'est vrai que t'as dit tu fais Omer, Game 5. Hein. Ok, bah je le fais. Mais je suis trop nul, Omer. Fais le canard, c'est simple pour moi. C'est une très très bonne game, honnêtement. Ouais, c'est simple pour moi. Parce que je suis un canard. À partir du moment où tu perds ton 2v3, tu perds ta priorité, c'est super dur. Allez les gars, je vais essayer. T'as pas un comeback possible, un peu comme dans la game. Attends, je dois m'entraîner. J'avais pas les armes de répondre à Géo qui. Jésus, il a fait son bonheur dans les games. Ok, t'es prêt? Ouais, il les avait pas avant un certain moment. C'est... Donc là, j'espère une draft qui est équivalente. Oh, Inès! En 40-50 minutes, tout le monde stresse et on se connaît. Je pense que c'est ça. Juste pour la 5ème. On est plus dans un délire de vraiment une game incroyable. Ça va, c'est peut-être pas Italia pour Géo, on n'a pas réussi à l'utiliser. Pas mal. Du côté de Doukou, est-ce qu'on